got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tiny bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shady love the way I whip it in the two-seater. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Mais c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin, je me contenterais de te livrer. Merde. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. Oh, it's done. I don't know.
personne. À vous. Marie. T'es là, c'est réel. Jérôme, qu'est-ce qui se passe? À vous. On a entendu plein de tirs et je suis presque sûr que c'était pas le tonnerre tout à l'heure. Il y a des explosions. Boomer aboie tout le temps et veut pas se calmer. C'est encore ces sangliers de la secte. Va falloir supporter ça longtemps. Enfin bref. Rappelle-moi quand tu pourras. Surtout, fais gaffe à toi. Je répète, ici Dutch. Ellie. Marie. Jérôme. Y'a personne. À vous. Saloperie de machine. C'est quelqu'un. M'entend dans la prison, répondez. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Je me suis pas vraiment présenté. La plupart des gens m'appellent Dutch. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. Et c'est pas beau à voir. D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Pour l'instant. Mais on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. Tu veux les retrouver? Oui, je comprends. Moi aussi, on m'a fait des ordres. Le problème, c'est que personne viendra t'aider. Personne ne sait ce qui se passe ici. Et l'info ne sortira pas avant qu'il soit trop tard. Il y a forcément des gens ici qui seraient prêts à riposter contre la secte. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est reprendre le contrôle de cette île. Une fois un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur pied. Il y a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Prends-les. Je te recontacte par radio dès que t'auras pris tes marques. Fais bien gaffe à toi, sa grouille de cinglés. Ces connards sont prêts à mourir pour le psychopathe qui leur sert de chef. Sud et
être héros, mais merde quoi! J'ai bien cru que c'était fini. Merci. Ces cinglés de fanatiques sont en roue libre. Si vous voulez de quoi vous protéger, je crois qu'il y a une cache de survivalistes près du hangar. Il y aura sûrement des trucs sympas. C'est le jackpot. C'est une cage de survivalistes. Si t'arrives à y entrer, tu devrais y trouver pas mal de trucs utiles qu'ils ont mis de côté. Allez, va jeter un œil.
ont stocké tout le matériel qu'il te faut. T'as juste à te servir. Et au boulot! Merci, officier. Je te dois la vie. Je vais redoubler d'efforts contre la secte maintenant. Je me battrai à tes côtés.
mouvement. Couvre-moi. Attention. Droit devant. Merci. La secte rôde autour de l'île depuis des semaines. Je crois qu'ils essaient d'établir une base dans la vieille station des Rangers. Vraiment, merci. Je crois pas en la chance, mais putain, j'ai...